En Tanzanie, le bilan n'en finit plus de s'alourdir après le naufrage d'un ferry jeudi après-midi. Au moins 136 cadavres ont déjà été repêchés. Mais beaucoup de passagers manquent à l'appel. On dénombre seulement une quarantaine de rescapés. Le navire était vraisemblablement surchargé de marchandises et de passagers quand il a sombré. Le naufrage du bateau s'est produit dans le sud du lac Victoria, près de la localité de Bugolora. Consterné par cette nouvelle tragédie maritime, le président tanzanien John Magufuli a dénoncé vendredi la négligence de l'armateur et a promis de lourdes sanctions judiciaires. La dernière catastrophe maritime de ce type sur le lac Victoria remonte à 1996. Au moins 500 personnes avaient alors péri.